Bienvenue dans la nouvelle saison de Koikari à la recherche des perles d'Asie. Saison 2023, donc là on attaque, on vient d'arriver en fait au Japon. Donc hier soir on a pris l'avion, on est arrivé sur Tokyo, on a fait une petite nuit rapide au nord de Tokyo, à Ueno. Ce matin on a pris le train rapide, le Shinkansen, et on est arrivé sur Zone. Et là on attaque directement par les ventes aux enchères chez Odakan. Odakan c'est un éleveur du nord du Japon, il travaille d'une manière un peu particulière. Il importe beaucoup de poissons du sud, donc on va retrouver des poissons de chez Sakai Fish Farm. Omosako notamment avec les Shiro Utsuri, du centre du Japon aussi avec Maruyama, et du nord du Japon les plus grands éleveurs Isa notamment avec les Showa, ou d'autres éleveurs comme Nogami par exemple. Là on va miser sur quelques poissons, on va voir un petit peu si on arrive à remporter ces enchères et on va vous faire visiter un petit peu la serre, on vous tient au courant. Allez c'est parti pour la nouvelle saison, Koikari. Avec une partie des enchères qui est déjà terminée, avec notamment ce bel exemplaire de Nisai Omosako Shiro Tsuri. C'est un poisson qui se trouve dans le bac ici même, on va vous le filmer après. Donc c'est un peu spécial, ici en fait ce qui se passe c'est que quand on récupère un poisson, quand on gagne un poisson aux enchères, on est pendant un an, en fait il va partir en mode bombe pour la croissance. En fait on va avoir le poisson qui va rester un an aux soins de l'éleveur, on va le récupérer l'année prochaine, donc ça sera un sansai femelle. C'est un poisson qui va bien évoluer forcément dans les grands bassins du Japon. Si vous voulez prendre ce poisson-là, il faudra patienter et vous l'aurez l'année prochaine avec un an de plus et une belle croissance.
Alors, on vous fait quelques images du poisson pour vous le présenter. Donc, c'est un poisson Shiro Utsuri, donc noir et blanc. Femelle de chez l'éleveur spécialiste de cette variété-là, Homo Sacco. Le parent, c'est Godzilla. Donc, c'est un poisson qui est très connu au niveau du géniteur. Donc, on peut voir que c'est un poisson qui est bien équilibré au niveau de la balance entre le noir et le blanc. Et qui va forcément bien évoluer ici au Japon. Ils ont le savoir-faire pour faire bien évoluer ce poisson pendant un an. Donc, deuxième chance au tirage au sort avec un Showa Nisai femelle de chez Nogami. Très beau poisson, une bonne taille. On est déjà sur une taille de 54 cm. Donc sur le même principe, c'est un poisson qui va rester du coup un an en Azucarie, donc il va grandir dans les étangs ici au Japon. Si ce poisson vous intéresse, du coup vous pouvez l'acheter et vous le récupérer l'année prochaine, 3 ans, Sansai, enfin 3 étés, avec du coup une belle croissance et forcément une belle évolution ici. Voilà, Nogami, un beau poisson, beau Showa. Un éleveur qu'on ne présente plus, très bon éleveur de Kohaku et de Showa. Chez Maruhiro Koi Farm, on a fait une sélection dans le bac le plus haut de gamme des Nisai, donc des poissons de 2 étés. Ce sont uniquement des femelles de 45 à 50 cm. On a 3 Kiyutsuri, donc qui sont des poissons jaunes et noirs, c'est une des spécialités de l'élevage ici. On a un très beau Ginrin Iyutsuri, donc orange et noir avec les écailles beau reflet nacré, la partie Ginrin. Et pour finir, on a Akamatsuba, donc c'est un poisson qui est rouge avec l'intérieur de l'écaille qui est un petit peu plus noir. Et ça, c'est un poisson qui va foncer, qui va noircir dans nos eaux en Europe. Pour l'instant, il est assez clair, mais il est très propre. Donc, c'est assez prometteur. Voilà, donc ça sera des poissons que vous pourrez retrouver sur notre site azurbassin.com. Donc là, on a un nouveau bol chez Maruhiro Koi Farm. Nisai femelle, à part le Tancho, qui est un mâle. C'est des poissons qui font entre 46 et 48 cm. On a un très beau Kirin. On a un poisson métallique aussi, un petit peu gris métallique, qui est en fait un Doitsu Kabuto, un peu spécial, qui est très original. On a un super Baezagi, il a encore un peu de rouge qui va sortir sur les flancs, là. Il est encore un peu jeune. Par contre, il y a un très beau maillage, il a déjà une belle couleur. Et un Shusui qui est très très joli, un beau dessin, une belle rangée d'écailles bien alignée. Voilà, c'est vraiment un joli bol assez varié de poissons relativement haut de gamme en Nisai chez Maruhiro. Voilà, vous retrouvez tout ça sur le site internet.